comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je viens vous voir parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que je vous avais pas dit bonjour au début de ce vlog. Donc je viens vous le dire ici, même si je suis la Sarah d'après. Mais en tout cas, je voulais du coup vous souhaiter la bienvenue dans ce nouveau vlog. J'espère qu'il vous plaira. Et donc je vous embarque avec nous pour ces prochains jours ensemble. C'est le lendemain les filles, je viens vous voir ce matin parce qu'en fait j'ai reçu la suite de ma commande Amazon Fashion. La dernière fois je vous avais montré une première partie de ma commande et en fait là c'est la deuxième partie qui est arrivée. Donc je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer ça du coup dans ce vlog. On commence par fermer la fenêtre parce qu'il y a plein de voitures qui passent déjà. Alors, comme vous le savez, en ce moment, je suis très fleur, très robe fleurie, robe élégante, vaporeuse, comme ça, légère et tout. Et donc, j'ai pris cette superbe robe. Elle est magnifique. Je ne l'ai pas encore essayée, mais je l'ai vue porter sur la mannequin. Et je l'ai mise comme ça un petit peu contre moi pour voir un peu, pour me projeter. Et elle est juste trop trop belle. Elle est pleine de volants, de frou-frou. Elle est resserrée ici au niveau des manches comme ça. Et ce que j'aime bien, c'est que, bon, elle est transparente au niveau des manches et tout, mais elle est doublée, vous voyez, à l'intérieur. Donc il n'y a pas ce souci de devoir mettre un truc en dessous, ce genre de choses. J'adore la couleur déjà, l'imprimé, les fleurs comme ça. Je la trouvais juste trop jolie, tellement tellement fraîche. C'est de la marque Yas. J'avais un costume de la marque Yas. Enfin, une veste et un bermuda, c'est une marque que j'aime beaucoup et c'est vraiment une marque de bonne qualité. Donc de trouver ça sur Amazon Fashion, je trouvais ça top. Vous voyez donc ici là, elle a encore des petits volants ici. Elle est plus courte, enfin il n'y a pas de traîne ou quoi, mais en fait c'est une robe portefeuille et quand vous l'enroulez, la partie de devant, enfin les froufrous là, sont un petit peu plus courts que la partie arrière de la robe et ça ajoute encore plus en élégance, je trouve. Son tombé est magnifique, j'ai juste trop hâte de la porter et de voir comment vraiment elle tombe justement et tout. Et donc ce qui est bien, c'est que vous avez aussi un nœud ici qui vient sécuriser quand même la partie portefeuille, parce que sinon ça peut vite glisser et tout ça, s'ouvrir, sait-on jamais. Donc comme ça vous avez le double nœud, on va dire, et donc vous avez l'autre ficelle, la ficelle principale, qui pour le coup elle se voit et qui se met comme ça sur le côté. Je trouve ça magnifique. Après, libre à vous aussi par exemple de venir mettre votre propre ceinture. Quoique ça, bon, c'est pas amovible la ceinture là, donc bon, peut-être si vous avez un moyen de cacher le nœud et tout, mais ça peut aussi être sympa de venir cintrer avec une autre ceinture. Mais voilà, elle est juste magnifique. Je trouve que pour la saison actuelle et tout ça, c'est parfait. Et même pour un mariage, elle est claire, mais elle est pas non plus blanche, mais elle reste en fait dans les couleurs assez pastel et ça fait très printanier, très léger, très, bah, très floral et tout. Et je trouve que ça, quand on est invité à un mariage, c'est le genre de robe idéale quoi. Donc voilà pour la première pièce. Deuxième pièce dégotée sur Amazon Fashion. On a encore une autre robe. Celle-ci, elle est un petit peu plus courte. Elle est dans les tons bleus pour le coup, encore très fleurie. C'est un peu comme une longue chemise dans le sens où en fait elle se ferme avec des boutons tout le long. Il y a aussi une ceinture, celle-ci est amovible, donc encore une fois libre à vous de venir apporter, enfin ajouter votre propre ceinture ou bien utiliser la ceinture qui vient avec la robe. Au niveau des manches, j'aimais bien le côté un petit peu resserré comme ça des poignets qui se ferme avec les mêmes boutons qu'il y a à l'avant de la robe. Moi, vous savez que j'aime beaucoup les robes pour les jours où voilà, vous savez pas quoi mettre. Et surtout même aussi quand il fait chaud, on n'a pas envie de trop se couvrir, de mettre, je sais pas moi, un jean plus un t-shirt sans vraiment superposer les couches et tout ça. Je trouve que ce genre de robe comme ça, hyper fluide, hyper légère, bah c'est parfait. Et puis à chaque fois je le dis, mais une robe c'est une tenue complète. Donc vous n'avez pas besoin de réfléchir midi à 14h qu'est-ce que vous allez mettre et avec quoi vous allez associer telle pièce et tout. Là vous avez vraiment une pièce complète. Donc voilà, elle est super simple mais hyper girly, hyper fraîche. Et dans les tons bleus, ça change un petit peu. Là, c'était plus dans les tons jaunes, celle que je vous ai montré avant. J'ai aussi des robes dans les tons plus roses et tout ça. Et là, donc voilà, ça change un petit peu. La marque, c'est Pieces, je crois. Ouais, ou pièces en français, mais je pense que c'est en anglais, donc Pieces. Au niveau des prix et tout ça, j'ai pas les prix sur les étiquettes. Je vous mettrai les liens vers les articles en barre d'infos. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que vraiment sur le site d'Amazon, donc c'est vraiment la partie Amazon Fashion, il y a plein de marques différentes, des marques hyper connues et tout. Donc franchement, n'hésitez pas à aller y faire un tour, même pour les enfants, il y a plein de choses. Et aussi pour les hommes aussi, il y a plein de choses si jamais, voilà, vous voulez en profiter pour attraper quelques pièces pour votre homme. Franchement, allez-y. Donc voilà pour cette deuxième pièce, on passe à l'article suivant.
Et justement, moi qui vous parlais de différentes marques qu'on peut trouver sur Amazon Fashion, vous pouvez aussi trouver la marque Tamaris. Je savais pas du tout, j'étais agréablement surprise. Et en plus, c'est une marque que j'ai jamais testée. J'ai toujours vu passer leurs pubs et tout ça à la télé ou même les affiches dans la rue et tout. Mais j'ai jamais testé la marque Tamaris, mais je sais que c'est une marque de qualité. Donc je vais vous montrer la première paire. Et je trouve que c'est pile poil dans la saison forcément. On a ces magnifiques sandales en cuir, enfin sandales ou claquettes. Elles sont superbes, elles ont l'air tellement confortables. Je les ai pas encore essayées non plus, mais je trouve que cette couleur orange est juste magnifique. En plus, j'aimais beaucoup le pourtour comme ça, doré tout autour. Je trouve qu'elles sont super bien finies. Je vous les montre de plus près. Elles sont juste magnifiques. Je les ai prises en 42 parce que moi, tout ce qui est chaussures ouvertes et tout ça, je préfère toujours prendre une taille au-dessus. Donc tout est en cuir, sauf bien évidemment la semelle en dessous. Elles sont trop belles. Oh, elles sont super confortables. Et je trouve que vraiment la couleur du orange est vraiment jolie. C'est un orange qui est estival, mais aussi assez chic, je trouve. Et ouais, je l'ai trouvé trop belle, donc j'ai craqué sur cette paire-là. Et puis ça, c'est clairement le genre de pièce que vous pouvez mettre avec plein de styles différents, autant avec un jean qu'avec un short, qu'avec une robe. Enfin, c'est passe-partout, quoi. Franchement, c'est le genre de sandales que tu peux aussi facilement glisser dans ta valise et tout pour l'été. Et enfin, dans un tout autre style, j'ai pris cette paire de baskets. Ce sont des baskets comme ça à enfiler. Et en fait, j'aime beaucoup ce style de basket. À chaque fois, je les vois passer. Il y a même enfin, voilà, des grandes marques qui ont sorti vraiment les baskets chaussettes et tout. Et ça m'a toujours intriguée. Je me dis que ça doit être vachement pratique et confortable. Et j'aime bien le côté minimaliste, en fait, de la chaussure ou de la basket, là, en l'occurrence. Sans lacets, sans rien. Vraiment, la basket que t'enfiles comme ça. Et pareil, ça, je trouve ça trop beau en été avec un short et un t-shirt. Tu vois, quand t'es, par exemple, en ville, que tu veux aller faire un tour, d'aller, je sais pas moi, en vacances et que vous faites un tour. Vous visitez les lieux dehors, vous marchez beaucoup et tout ça. J'aime bien mettre ce genre de chaussures, de baskets, plutôt que de mettre des claquettes et tout. Par exemple, quand on est allé à Rome ou quand on est allé à Naples et tout ça. Enfin, c'est des villes très riches culturellement parlant et on marche. Ben, je trouve que ce genre de baskets comme ça, ben, c'est l'idéal. Après, bien évidemment, même quand vous êtes ici près de chez vous, hein, on n'est pas obligé de faire les touristes pour porter ce genre de baskets, mais je les trouve vraiment super. Et encore une fois, elles sont hyper légères, donc elles doivent être mais super confortables aux pieds. Elles doivent pas être lourdes et c'est pas le genre de chaussures que tu te traînes comme ça. Oh ouais, c'est une pantoufle. Elles sont hyper confortables. Elles sont vachement souples en fait. J'aurais peut-être dû prendre une taille au-dessus quand même, à voir après si elles se détendent ou quoi, parce que c'est du tissu de toute façon par-dessus. Et c'est assez élastiqué et tout. Mais franchement, elles sont hyper confortables. Elles sont super jolies, je vous montre. Elles sont vraiment trop belles. Bon, il faut les imaginer avec un look total. Hein. Là, je vous les montre comme ça. Mais elles sont trop pratiques. Vous voyez, elles sont hyper souples, hyper confortables. Ah, je suis super contente. Elles sont top. Et si je vous dis que je voulais commencer à vlogger hier. Et en fait, j'ai eu un mal de tête toute la journée qui m'a juste clouée au lit, du réveil jusqu'au coucher. Je me suis dit qu'on allait commencer le vlog maintenant pendant que je me prépare, parce que sinon, on n'aura jamais le temps de discuter. Donc là, je suis en train de me préparer pour la journée, mais aussi pour vous filmer ce look, justement, donc pour la vidéo de vendredi, qui est aujourd'hui. Donc comment vous dire que là, tout se fait à la dernière minute, parce que hier, j'ai une journée en moins dans ma semaine, on va dire. Donc là, je me prépare vite fait. Ensuite, je dépose Ayane au centre, et ensuite, je reviens, je filme la vidéo. Puis après, donc, on attaque la journée ensemble. J'aimerais bien aller à Auchan parce que j'ai plus de shampoing sec. Et le pire, c'est que hier, on est allé à Auchan et je disais à Isaac, je dis attends, parce qu'en fait, on devait aller à Auchan pour un truc qui n'était pas prévu. Et je lui dis attends, je me souviens qu'il me fallait un autre truc à Auchan. Et je réfléchissais. Et je lui dis ah, c'est bon, c'était le gel douche pour Ayane. Mais en fait, non, il me fallait aussi du shampoing sec. Et c'était un truc, ça faisait plusieurs fois dans la semaine. Je me disais, ah, faut que je m'en rachète parce que j'étais à la fin de ma bombe. Et donc, j'ai complètement zappé. Donc là, je vais y aller aujourd'hui. Je vais en profiter, France, pour me reprendre du pain sans gluten. Ça y est, depuis avant-hier soir, j'ai arrêté le gluten. Ça commence à aller mieux, mais je suis encore vachement gonflée, même au niveau du ventre et tout. J'ai commencé mes gouttières numéro 4. Et ouais, je sens que ça sert. Bah, de toute façon, à chaque fois, au début de chaque gouttière, je sens que ça sert un peu. Et puis après, je m'habitue et mes dents... bah, ça aligne en fait avec les gouttières, donc forcément ça, après je le sens de moins en moins. Donc voilà, ça va faire, ouais, ça fait 6 semaines. Oui, vu que c'est 2 semaines, ah maintenant ça fait 8 semaines, étant donné que c'est mes 4e gouttières, donc au bout de celle-ci. Encore un mois et je serai à la moitié, donc ça c'est trop cool.
Et je vois vraiment le changement. Je pense pas que vous voyez encore bien le changement, mais moi même quand je regarde mes vlogs au moment de l'édition et tout ça, avant de les mettre en ligne, je vois déjà que mes dents sont plus vraiment la même position, même ma bouche et tout ça, mes lèvres, comment elles se positionnent. Et en plus, c'est ce que je dois faire, donc au bout de mes 6e gouttière, je dois retourner chez la dentiste pour qu'elle me fasse, vous savez, le stripping là dont je vous avais parlé, donc elle vient limer, mais c'est vraiment tout léger, hein. Et en fait, donc ça, comme ça, ça fera un petit peu d'espace entre ces dents là pour que justement elle puisse se redresser encore plus. Donc, mais c'est un stripping de 0,2 mm, donc quasi rien. Faut que je me prépare. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma base illuminatrice. Le make-up du vlog précédent vous a beaucoup, beaucoup plu. Moi aussi, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que ça change comme ça de mettre du blush, un truc un petit peu plus lumineux et tout ça. Donc j'ai mis ça en base. Ensuite, je suis venue avec mon By Terry CC Serum, pareil, pour donner bonne mine. On voit pas bien, je trouve. Enfin, je trouve que l'iPhone, il rend les teintes un petit peu plus fades. Puis en plus là, le soleil n'est pas encore en face de moi, donc vous me voyez pas bien. Le soleil est là-bas pour l'instant. D'ailleurs, en parlant de là-bas, je vais rechanger la disposition de mon bureau pour la 100e fois au moins. C'est parce que je me rends compte que quand je vous filme des vidéos ici devant mon portant, je suis à contre-jour à cause de cette fenêtre-là justement. C'est hyper technique, mais en fait, quand vous filmez des vidéos ou quand vous prenez des photos, la lumière est super importante. Et donc, enfin, la position de la lumière en fait. Et donc, quand la lumière est derrière vous, bah, c'est à contre-jour, c'est pas joli. Puis on voit pas bien, je trouve, le rendu des couleurs et tout. Donc, il faut que je sois face à une fenêtre. Donc, soit je filme ici parce que la fenêtre est là. Quand je me positionne là, il faut que je sois face à cette fenêtre là et non pas dos. Donc mon portant, je pense que je vais le mettre sur ce mur là et comme ça je mets devant mon portant et je suis face à la fenêtre. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je le ferai plus tard aussi. Et j'aimerais bien aussi aller chez Action parce qu'il me faut des boîtes pour le reste de mes vêtements d'hiver, parce que figurez-vous que le tas que je vous avais montré là dans ma valise, enfin le tas que j'avais mis sur mon lit de mes manteaux et mes pulls d'hiver avec pour objectif de les mettre dans ma valise, dans une de mes valises, et tout ne rentre pas. Donc il me faut des boîtes en fait pour les ranger, ou bien les fameuses pochettes dont vous avez été nombreuses à me dire qu'on pouvait les trouver soit chez Carrefour, soit chez sur Amazon, soit à Auchan. Enfin voilà, il y a l'air d'en avoir un petit peu partout. Donc pourquoi pas aller voir à Auchan quand je vais aller chercher mon shampoing sec. Donc voilà, j'irai voir tout ça. Allez, on continue. J'ai aussi mis de l'anti-cerne déjà. C'est celui-ci, comme d'hab, Armani en teinte 5.5. Il faut absolument que je nettoie aussi mes pinceaux. Ça pareil, c'est sur ma to-do list. Et sinon, hier matin, on est allé aussi voir pour la cuisine. De toute façon, je vais vous partager parce que j'ai filmé en fait... quelques images pour des stories. J'ai pris en photo des trucs et tout ça, mais j'ai pas encore eu le temps de les poster. Donc je vous les posterai à l'occasion vraiment du processus. On est allé en magasin, on est allé chez Casto. Et en fait, on est allé voir, on est allé finaliser les plans de la cuisine et tout. Mais le seul truc qui se passe, c'est que pour le modèle qu'on a choisi, donc avec les portes en bois en bas, vous le savez, vous savez de quoi je parle si vous me suivez sur Insta. En fait, on est obligé de mettre des poignées parce que vu qu'en bas, c'est des casseroliers et tout ça, c'est assez lourd. Le système de push and pull, ça va pas en fait. Donc il faut vraiment, il faut des poignées. Et du coup, c'est le grand dilemme des poignées. On a tout. Pour le reste, c'est fait, la crédence, le plan de travail. Et en fait, j'avais complètement zappé qu'il fallait prendre des poignées parce que moi, j'étais partie pour une cuisine hyper minimaliste, donc sans aucune poignée et tout. Le seul moyen pour moi de pas avoir de poignées, ça serait de mettre les portes en bois en haut. Parce que vu que les portes elles dépassent un peu, on peut en fait passer sa main en dessous pour ouvrir, mais quand c'est en bas, c'est pas possible. Et le truc c'est que je préfère la cuisine avec le bois en bas plutôt que le bois en haut. Donc voilà. Voilà où on en est. Donc je vais essayer de trouver, enfin on va regarder avec Isaac pour des poignées hyper discrètes. Mais en tout cas le rendu sur Patreon, enfin sur, ouais, sur le simulateur là, c'est trop trop beau. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de vous montrer, j'ai trop hâte de tout vous expliquer en détail. Il y a un artisan qui doit venir justement vraiment prendre les mesures de notre cuisine actuelle pour vraiment avoir une cuisine sur mesure quoi. Du coup hier matin j'ai eu juste la force d'aller pour la cuisine. J'avais déjà mal de tête mais je me suis dit vas-y Sarah ça va aller. Donc j'ai pris sur moi, le mal de tête est passé et après quand je suis revenue j'ai eu un énorme coup de barre, je me suis posée. Et ça, là, ça y est, c'est revenu. Et vous savez, c'est le mal de tête qui fait boum, boum, boum. En fait, dès que vous faites le moindre truc, par exemple, dès que vous éternuez, dès que vous toussez, dès que vous, je sais pas, vous faites un effort, genre vous montez les escaliers. En fait, c'est pas pendant l'effort, c'est juste après l'effort où là, ça y est, ça tape, tape, tape. Oh, à en avoir la nausée, quoi. À la fin, j'avais envie de vomir, c'était horrible. J'ai pas forcément envie de me maquiller les yeux, en fait. Je crois que je vais juste faire le teint, un petit coup de blush, un petit coup de bonne mine, histoire d'avoir l'air reposé et puis c'est tout. Est-ce que vous vous rendez compte que le ramadan est bientôt fini? C'est toujours à la fin que tu te dis que ça passe vite. Hein. Des fois, t'as des jours où, qui sont plus durs que d'autres.
Et quand t'es en forme, genre là, par exemple, aujourd'hui je suis en forme et tout, je me dis, waouh, ouais, c'est passé trop vite. Mais hier, quand j'avais mal à la tête, je vous aurais dit, c'est trop long. Donc là, j'ai mis le blush, j'ai changé. La dernière fois, j'ai mis le Armani. Là, j'ai mis le By Terry. CC Liquid Blush en teinte Rosy Flash, en teinte numéro 1. Et en fait, je me rends compte que mon iPhone filme en mode miroir. Donc, ce qui veut dire que tout ce qui est écrit, vous le voyez à l'envers. J'en suis rendu compte au dernier vlog. Je vais remettre un peu parce que quand je fais avec le pinceau, forcément, le pinceau absorbe un petit peu de produit. J'ai dit absorbe. Je réfléchis en anglais, absorbe. Hop, je vais mettre une petite touche de... du même donc blush de chez By Terry CC Liquid. Donc celui-ci, il est en teinte Sunny Glow, teinte 2. Et tout de suite, ça fait bonne mine. Je vais en mettre un petit peu là. C'est vraiment le résidu. Je vais mettre pareil un petit peu de résidu sur les paupières. Mes paupières, à chaque fois, elles... Vous savez, dans le pli là de la paupière, il y a toujours un petit peu d'anticerne qui se glisse ou quoi. Combien de fois, d'ailleurs, en regardant mes vlogs, je me dis, ah, pourquoi j'ai pas essuyé mes paupières avant de filmer. Voilà, voilà. Et ensuite, un petit peu de bronzer. Avec un petit pinceau. Je vais quand même faire un petit peu les yeux. Au quotidien, c'est vrai que je... Enfin voilà, je me serais arrêtée là, mais là, je me suis souvenu que je dois filmer la vidéo après. Je vais me faire une petite beauté pour vous quand même, histoire d'être fresh. Non pas qu'on soit pas fresh sans make-up, hein, attention. Ah là, j'ai mis ça. Alors ça, c'est deux couleurs. C'est des couleurs roses que j'aime beaucoup. C'est la palette By Terry. Donc c'est Terribly Paris. C'est la palette numéro 3, Paris mon amour, de chez By Terry. Et j'utilise ces deux teintes-là. Il n'y a pas les noms, mais je vous les montre. Parce que après, si vous avez l'équivalent dans une autre palette, c'est kiff kiff. C'est ces deux teintes-là. En fait, j'essaye de vous montrer sans vous éblouir avec le miroir. Voilà. Donc c'est cette teinte-ci et cette teinte-là. Et je viens vraiment tremper mon pinceau dans les deux comme ça. Pour avoir un petit peu des deux. Et ça donne ça. Vous voyez, c'est un petit peu rosé comme ça, c'est trop joli. Oui, c'est ça le terme que je cherche, c'est fade. Quand en caméra, les couleurs sont plus fades qu'en vrai. Du coup, c'est bien de venir apporter une petite touche au visage. Je vais vous montrer ma tenue du coup, parce que normalement, vous l'aurez déjà vu. Après, je sais pas si je vais garder cette tenue-là toute la journée. Parce qu'à un moment donné où t'as un coup de barre et du coup... Bah, t'as juste envie d'être en tenue confortable. Et avec le ramadan, j'essaye de m'organiser de façon à quand je suis au pic de mon énergie, c'est-à-dire le matin, je filme et tout. Et l'après-midi, je fais plus des trucs sur mon ordinateur, genre des mails, je réponds à vos commentaires, à vos MP. Un truc un petit peu plus posé, quoi, un petit peu plus tranquille. Mais c'est vrai qu'en général, à partir de 14h, j'ai la fatigue qui commence. Enfin, c'est pas la... enfin, c'est un coup de barre, quoi, qui vient. Donc voilà. Et sinon... Au niveau du lipstick, pareil, c'est le même que la dernière fois. By Terry Lip Expert Shine en teinte numéro 3, Rosy Kiss. Et j'aime bien parce que quand vous mettez en fait une même couleur, ou en tout cas des nuances d'une même couleur sur un make-up, tout de suite ça rend le make-up beaucoup plus harmonieux et tout ça. Là, le fait d'avoir gardé par exemple le thème du make-up rosé, donc avec une lèvre rosée, un blush rose, du fard à paupières rose, ben, je trouve que tout vient vraiment s'harmoniser. C'est super joli, je trouve. Donc voilà pour ça. Et enfin, un petit spray fixateur de make-up. Ça, je trouve que c'est la touch. Celui-là, c'est le Anastasia Beverly Hills Dewy Set. Bon, au début, on brille, on est mouillé un peu, et puis après, ça sèche. Bon, allez, je file déposer à Yann au centre. Isaac est parti chez son grand-père, il est parti lui rendre visite. Moi, j'en ai profité du coup pour vous filmer la vidéo et aussi j'en ai profité pour mettre un petit peu d'ordre en bas. J'ai aussi changé la disposition de mon bureau, comme vous pouvez sûrement le constater. Et franchement, c'est beaucoup mieux comme ça. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique pour moi parce que du coup, mon bureau, en fait, il est là. Vous êtes posé sur mon bureau. Enfin, vous êtes sur un trépied, mais sur mon bureau. Et en fait, là où mon bureau se situe, il n'y a pas de prise. Donc, je peux pas brancher mon ordinateur. Ceci dit, je pense que je vais vendre mon ordinateur pour en prendre un portable qui soit plus récent. Parce qu'en fait, j'en ai un portable qui est vieux.
et j'ai mon ordinateur fixe. C'est un truc qui me trotte dans la tête parce que au niveau même des prises et tout ça, c'est compliqué parce que là, j'ai une rallonge en fait qui traverse mon bureau. Vous voyez, ça fait ça comme ça parce qu'en fait, j'ai une prise ici derrière, j'en ai une derrière là-bas, mais vous la voyez pas, et j'en ai une là-bas. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me rechanger. J'ai justement quelques mails à traiter, tout ça, je vais descendre les faire, ou bien je vais rester ici peut-être les faire. Donc faire un petit peu ma to-do list. J'aimerais bien à un moment donné partir, donc comme je vous l'ai dit, chercher une boîte de rangement pour mes vêtements d'hiver, ou bien une pochette, prendre du shampoing sec. Et puis voilà, puis on continue le vlog ensemble. C'est le lendemain les filles, on est samedi aujourd'hui. On va aller faire un tour en ville avec Isaac et Ayan. Il est bientôt 11h je crois, il est 11h. Donc je vais monter rapidement parce que je voulais changer de sac à main. J'ai reçu ce superbe sac de la part de Pollen. Il fallait absolument que je vous le montre, il est incroyable. Franchement, quand Pollen m'envoie un sac, à chaque fois j'ai un pinch me moment. En fait c'est des petits moments comme ça de vie où vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Et je suis tellement tellement reconnaissante et c'est quelque chose que je veux jamais prendre pour acquis ou quoi, et à chaque fois je suis émue parce que c'est une marque prestigieuse et voilà, et à chaque fois je me sens incroyablement chanceuse. Et donc j'ai reçu ce modèle qui est le modèle numéro 9. En fait c'est la couleur et la forme qui est juste incroyable. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez. Et puis je vous montre ma tenue du coup parce que je me suis habillée en fonction du sac. Donc voilà ma tenue. Je trouve que vraiment cette couleur là ça va merveilleusement bien avec le bleu ciel, le bleu jean. Je trouve que c'est cette association là, je la trouve tellement élégante et chic. Donc je me suis dit que je vous la montrerai comme ça, si ça peut donner des idées, des inspirations et tout ça. J'ai complété le look avec cette ceinture qui est une ceinture Hermès que j'aime énormément. Et j'ai sorti les mules de chez H&M. Alors je suis trop deg parce qu'en fait elles se sont abîmées là, je sais pas si vous voyez, mais je les aime trop ces mules. Et elles sont pareilles, je trouve que c'est voilà, c'est un intemporel, tout ça, la couleur, la forme. Peut-être qu'il faudrait que je mette un petit point de colle, je sais pas trop, mais je les aime trop trop ces mules là. Et donc pour le reste, c'est une chemise Reiko. D'ailleurs justement, vous vous souvenez, dans le dernier vlog, j'avais pas eu le temps de vous montrer les pièces portées que j'avais reçues. Donc là on a la chemise Reiko en question, et ici on a un des deux jeans aussi, j'aime trop. Donc j'ai pris le tout en taille S pour la chemise et 26 pour le pantalon. Donc 26 c'est l'équivalent du 36. Je vous avais déjà mis les liens en dessous du vlog précédent, mais je vous remets au cas où. Donc le jean c'est le modèle Nicolas en taille 26 et la chemise c'est le modèle Camilla en taille S. Donc voilà pour le petit look, et là on va aller faire un tour en ville. Il est un petit peu plus tard dans la journée les filles, je vais vous poser sur le trépied, ça sera plus simple. On est rentré, il y a un bon moment quand même. Hein. Et puis après, une fois qu'on est rentré de Lille, on est allé avec Isaac vite fait à Auchan. On a pris des petits trucs un peu différents avec Isaac. Comme vous le savez, on aime bien la nourriture asiatique et tout ça. Et donc on avait envie de tester un petit peu, vous savez, tout ce qui est ramen et tout. Mais c'est des choses que, je sais pas comment expliquer en fait, j'ai l'impression que c'est des choses que les personnes achètent enfin, en supermarché et tout ça, c'est dans des espèces de paquets comme ça. Et bon, franchement, on découvre, on connaît pas du tout. Après, on a regardé la composition, c'était pas ce qu'il y avait de mieux pour ceux-là. Par contre, pour ceux-là, ça avait l'air d'être de meilleure qualité. Même au niveau de la composition, par exemple, il n'y avait pas d'huile de palme et tout ça, alors que là-dedans, il y en a. Mais c'était juste de la curiosité, on voulait voir un petit peu ce que ça donnait. Donc celui-ci, c'est avec du kimchi.
Et franchement, si vous avez des conseils, des marques à nous partager, même des trucs, parce que je sais que sur Amazon, par exemple, ils en vendent pas mal. Nous, étant donné qu'on connaît pas, ben, on sait pas trop quoi acheter. Franchement, je suis preneuse de conseils et tout ça. Donc, on a pris ça. Donc, ça, c'est kimchi. Et ça, c'est ramen saveur poulet teriyaki. Alors, il n'y a pas de poulet là-dedans. Hein. C'est des épices aux saveurs de poulet. Mais bon, on s'est dit qu'on allait tester. Donc là-dedans, il y a 2 sachets de nouilles et 2 sachets d'assaisonnement. Ici, il y a 2 sachets de nouilles, 2 sachets d'assaisonnement et 2 sachets de kimchi déshydraté. Pour celles qui ne connaissent pas, du kimchi, en fait, c'est du chou fermenté, d'après ce qu'on a compris. Et on a pris... Alors, donc celui-là aussi, on a pris, c'est Instant Noodles. Donc, c'est des noodles instantanées saveur piment fort. Bon, ça ressemble à ça sur le paquet. Après, il va savoir. Du coup, en fait, on était dans le rayon et il y en a tellement qu'on ne savait pas vers quoi se tourner. Et donc, il y avait une jeune fille qui était en train de regarder. Elle avait l'air de savoir. Enfin, genre, elle est venue dans le rayon. Hop, hop, hop. Elle a pris ce dont elle avait besoin et elle est repartie. Du coup, je l'ai arrêtée. Je lui ai dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se... Enfin, ça se cuit. Est-ce que c'est juste dans l'eau chaude? Parce que c'est ce qu'on avait cru voir, en tout cas, sur YouTube, tout ça. Elle m'a dit, oui, en fait, vous mettez de l'eau à bouillir, un peu d'eau. Ensuite, vous mettez les nouilles dedans. Vous laissez à peu près 4-5 minutes. Ensuite, vous versez les sachets d'épices et vous mélangez. Et puis, c'est bon, c'est prêt, quoi. Donc, j'ai dit, OK, on va tester. Donc, on a pris saveur épicée. Et on a pris celui-là, saveur crabe. Donc, on verra ce que ça donne. Hein. Franchement, on n'y connaît rien. J'ai repris de la sauce barbecue parce que... Alors, il faut que je vous explique parce que la sauce barbecue, c'est un truc que j'ai toujours détesté. Et la dernière fois, on avait commandé à emporter et on avait pris des nuggets de poulet. Et en fait, c'était venu avec de la sauce barbecue. Et j'ai goûté, je me suis dit, tiens, je vais goûter comme ça. Et j'ai adoré. Vous savez, ce côté sucré, un peu fumé et tout, mais c'était trop, trop bon. Et je me suis dit, non, mais il faut que j'achète un pot de barbecue, de sauce barbecue. Donc, c'est la première fois de ma vie que j'achète une sauce barbecue, il faut le savoir. Donc, on a pris ça et en fait ce qu'on a pris avec Isaac, bon là c'est au congélateur, on a pris d'autres petites douceurs. Franchement, quand tu jeûnes et que tu vas faire les courses, vaut mieux y aller en début de journée parce qu'en fin de journée tu crèves tellement la dalle que t'as envie de tout acheter. Et donc en fait on s'est arrêté, en fait avec Isaac on avait envie un petit peu de finger food, vous savez, des petites choses à grignoter comme ça à droite à gauche, et on avait pensé commander asiatique et on s'est dit non, vas-y, c'est bon, parce que c'est vrai que le takeaway au bout d'un moment ça fait un certain budget quand même. Je suis en train de filmer, là, les gars. Merci. Et donc, du coup, on s'est dit, bon, on va y aller mollo un peu avec les trucs à emporter, toutes les livraisons et tout. Mais on voulait quand même des petits trucs comme ça à grignoter à droite à gauche. Et donc, on s'est retrouvés par hasard là-dessus. Et comment vous dire qu'on a pris un de chaque. Donc, on a pris des Pickers. Donc, ça c'est de la marque McCain. Nacho Cheese Triangles. Donc, c'est des triangles comme ça, voilà, picorés au fromage. Isaac avait envie des onion rings comme ça. On a pris aussi des mini mozza sticks comme ça. Comme ça. Et enfin, pour continuer toujours sur le thème asiatique, on a pris ça. Alors, je sais toujours pas comment ça se prononce. Je sais pas si c'est gyoza ou gyoza. C'est des raviolis comme ça à la crevette. Et comment c'est trop bon. J'avais découvert ça la dernière fois, justement, quand on avait commandé asiatique. Oh, et ce truc, c'est une tuerie. Si vous connaissez pas encore, franchement, allez-y. Après, j'ai jamais goûté cela de cette marque-là et en supermarché, tout ça. J'ai jamais testé. Mais c'est trop, trop bon. Donc, vous pouvez les cuire soit à la poêle, soit à la vapeur, dans un panier vapeur. Et c'est un pur régal. C'est des espèces de... Ouais, c'est des petits raviolis comme ça. C'est trop, trop bon. J'avais pris ça à l'époque, donc à emporter. C'était avec une sauce... C'était quoi comme sauce? Je crois que c'était une sauce un peu aigre-douce. Oh, ou non, ou soja sucré, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'était trop, trop bon. Et comment vous dire que quand on a vu ça avec Isaac, on s'est dit, ah, mais que ça irait parfaitement avec... le reste du repas. Et sinon, pour ce soir, quand même, étant donné que ça, c'est des choses qu'on connaît pas trop, là, tout ce que je vous ai montré, on a quand même prévu de faire un plat à côté. J'ai prévu de faire une tourte de légumes. Et ce qui est bien avec la tourte, c'est que si jamais on a plus faim de par voilà, ce qu'on a mangé, ce qu'on aura mangé là, la tourte, elle se réchauffe et tout ça, donc on pourra la garder pour demain. J'ai quand même prévu une option au cas où, si jamais voilà, on découvre et on se régale pas et on n'a pas mangé de la journée, on a quand même envie de manger un truc bon. Et je vous ai pas montré ce qu'on a pris en ville. Alors...
Comme vous l'aurez sûrement vu dans les images, en fait, quand on est parti en ville, à un moment, je vous filme un petit peu des produits, vous savez, de protéines, tout ça. Enfin, en fait, on s'est retrouvé par hasard dans un magasin qui vend strictement que de l'alimentation dans le milieu de la musculation, en fait. Et donc là, on s'est retrouvé parmi des pots de protéines véganes, végétales et tout. Et j'ai trouvé ça génial parce que moi, j'avais déjà testé une fois. J'avais commandé un pot sur Amazon et en fait, c'était à base de, c'était des protéines de pois et j'avais énormément de mal à les digérer. Ça me donnait mal au ventre, j'étais ballonnée et tout ça. Et donc en parlant avec le vendeur, il nous a expliqué en fait un petit peu les différents produits qu'il vendait et tout. Et c'est énormément de produits importés des États-Unis ou d'Angleterre. Il nous a expliqué que pour l'Angleterre, c'était un peu compliqué maintenant depuis le Brexit, mais il ramenait pas mal de choses des États-Unis, tout ce qui est vachement protéiné, les barres protéinées, même tout ce qui est beurre de cacahuète, pâte à tartiner, tout ça. Mais vraiment, c'est pas de la prot en mode, je sais pas comment vous expliquer, mais enfin, en tout cas, c'était vraiment des choses de bonne composition. Par exemple, il nous expliquait que le beurre de cacahuète, c'était purement que de la cacahuète. Il n'y avait pas d'huile ajoutée, il n'y avait pas de sucre ajouté, tout ça. Et je trouvais ça génial. Il vendait même des galettes, vous savez, des wraps comme ça, style pour faritas et tout. Protéinées, riches en protéines, je trouvais ça génial. Bon, c'était pas sans gluten, donc j'ai pas pris. Mais par contre, ça m'a intéressé de tester cette gamme de protéines, donc 100% plant-based. J'étais curieuse de tester parce que c'est vrai qu'Isaac et moi, bon, en dehors du ramadan, parce que là, pendant le ramadan, on fait plus trop de sport. Perso, j'en fais plus du tout. Mais c'est vrai que sinon, vu qu'on fait du sport, voilà, on fait du renforcement musculaire et tout ça, c'est toujours intéressant d'avoir une source de protéines dans chacun de vos repas. Et par exemple, quand on fait un smoothie, c'est vrai que j'aimerais bien à chaque fois pouvoir rajouter une source de protéines, mais voilà, vu que les protes végétales, celles que j'avais testées, j'avais pas digéré, du coup, j'osais pas en commander d'autres. Et donc là, en parlant avec ce vendeur, il nous a vraiment bien expliqué. Il nous a dit que celle-là, elle était vachement digeste, que c'était bio en plus. J'ai pris saveur chocolat parce que c'est vrai que moi, dans les smoothies, même si c'est à base de fruits et tout ça, j'aime bien mettre un petit peu de poudre de cacao, donc ça pourra faire l'affaire aussi, ça. Donc c'est de la marque Sync, c'est une marque française, je connaissais pas du tout. Et donc celle-ci, elle est à base de pois, riz brun, graines de courge, lentilles, chanvre. Voilà, donc c'est vegan, sans gluten, sans ingrédients artificiels, sans soja et sans OGM. Donc voilà, c'est super. Et cette boutique en question, elle a un site internet qui s'appelle Healthy Life. Healthy-Life. Il nous a offert ça du coup aussi. C'est une barre comme ça, protéinée au caramel, caramel salé ou caramel beurre salé, j'imagine. Et puis, ah oui, j'ai pris aussi ça, je trouvais ça top. En fait, c'est du sirop de vanille, mais c'est sans sucre. C'est sans gluten, sans gras, zéro calorie. En fait, il nous a expliqué que les sirops comme ça, c'était souvent avec du sirop d'agave, par exemple, ou bien de l'eau de sucre, il m'a dit, je crois. C'est un truc que j'avais jamais entendu. Donc ça, apparemment, ça, c'est « made in Britain ». Donc ça vient d'Angleterre et c'est bon pour mettre sur les pancakes, sur les glaces, sur les yaourts, sur les fruits ou dans le café aussi. Et c'est vrai que moi j'aime bien faire du café un petit peu en style mocha, machin, caramel, macchiato, je ne sais quoi. Donc je me suis dit que ça serait une bonne façon d'ajouter un petit goût comme ça. Bon là c'est goût vanille, c'est pas goût caramel. Mmh, ouais, ça sent bon, ça sent la vanille. Donc voilà, histoire de se faire même des petites boissons style un peu Starbucks et tout. Ça peut être sympa de faire ça avec ça, surtout que quand tu prends du sirop, le sirop forcément c'est bourré de sucre, donc tout de suite c'est vachement riche. Et sinon, après on est allé dans une autre boutique qui se trouve sur l'île, qui s'appelle Citadium, et franchement elle est rue de Béthune pour celles qui connaissent. Et c'est une boutique qui est trop bien parce qu'en fait c'est un peu un délire de concept store, mais c'est hyper street, c'est hommes et femmes, mais j'ai trouvé qu'il y avait une dominance quand même assez masculine, je trouvais, après peut-être que je me trompe. Mais c'est des vêtements vachement amples, un peu street, un peu skater, un peu... pas, peut-être pas rappeur, mais enfin voilà, très street, un peu à l'américaine et tout. Je trouvais ça trop beau. Isaac, je trouve que c'est un... Franchement, je dis ça de façon très objective. Je sais que c'est mon mari et tout, mais tout lui va. Il est grand, il est carré, il est musclé, il est tout ce que tu veux. Et du coup, bah forcément, c'est un mannequin et tout lui va, quoi. Tous les styles lui vont, toutes les coupes de fringues. Autant les chemises cintrées, comme ça, près du corps, les t-shirts à peu près du corps, que les trucs larges et tout ça. La nana, pas du tout objective, mais je vous assure que si, je suis quand même objective. Et donc, en fait, j'avais envie de lui prendre quelques pièces, donc je lui ai pris ça. Je le trouvais trop beau, ce t-shirt. Je connaissais pas du tout cette marque, mais elle est vachement bien. Il y avait des pièces vachement sympas. Donc là, c'est la marque Daily Paper, comme ça. Il y avait aussi la marque Obey, par exemple, que j'aimais beaucoup. Et en fait, il y avait aussi cette marque. En fait, à chaque fois, vous avez des stands différents de marques différentes. Et il y avait cette marque Maison Labiche que je connaissais pas.
Et en fait, c'est une marque, c'est que des vêtements avec des petites choses écrites dessus, et hyper décalé, hyper drôle et tout ça. Et donc sur cette chemise, il était écrit French Touch, et je la trouvais trop trop belle. Elle fait hyper, elle a un côté rétro, je trouve, de par ses couleurs, mais aussi elle fait vachement estivale et tout. Et je disais à Isaac, j'y allais si on part quelque part, enfin voilà, cet été et tout ça. Les manches retroussées et tout, sur un teint un peu bronzé. En plus, Isaac, quand il bronze, il a ses taches de rousseur qui ressortent et tout. Et voilà, trop beau quoi. Donc du coup, j'ai pris ça aussi. Et puis voilà, donc c'est le petit retour de course du jour. C'est que des choses qui n'étaient pas du tout prévues. Mais voilà, c'est fun aussi de faire comme ça. Je vais m'attaquer à la tourte pour ce soir, parce qu'il est déjà 19h. Donc je vais déjà couper les légumes, tout ça, tout ça. Je pense que je vais la préparer, puis je la mettrai à cuire en dernière minute. La table de ce soir, finalement on n'a pas fait les nouilles parce que ça allait faire trop, donc on les gardera sûrement pour demain, mais je voulais vous montrer du coup ce qu'on a fait pour ce soir. Donc là il y a la tourte que je vous ai montrée tout à l'heure, la salade, ici on a un reste de riz d'hier soir à la crème fraîche et aux champignons, ça c'est la sauce aigre douce pour les gyoza qui sont juste là, et dans le four il reste les petits bâtonnets que je vous ai montrés tout à l'heure. Et bien voilà les filles, je vais vous laisser ici parce que nous on va manger dans quelques minutes. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme toujours, vous retrouverez toutes les infos en barre d'infos, notamment pour les vêtements Amazon Fashion. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao !